Salut à tous, ici Tiplouvkin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 3, l'épisode 3 de Tiplouvkin la revanche. Alors, quelques petits changements de dernière minute. À peine que je suis arrivé donc là, devant la fameuse entrée du cœur de Touba Blouba, comme il est écrit sur le panneau. Eh, tu sais lire ? Entrée interdite ! Alors, donc, récapitulatif, niveau 9, mais cette fois-ci... j'ai reçu un très vieux message d'un ami de très longue date, je vous le raconte pas. Bon bref, c'est un très vieux ami de longue date qui connaît bien sûr bien Pépin64, et la porte millénaire y compris, enfin un peu de tout quoi. Et donc, m'avait dit que je devrais peut-être pas augmenter les points fleurs. Donc là, j'ai pas trop envie de revenir en arrière parce que j'ai pas envie de tout recommencer et me dire ah non, 10 points cœur, 5 points fleurs, ok, mais bon, je ferai ça quand j'aurai peut-être le courage hein. Après, peut-être Pépin la porte millénaire, ce serait bien de faire ça un de ces quatre. Donc, je vais vraiment essayer de respecter ce délai. Donc, je vais éviter d'augmenter trop les points fleurs, parce qu'on est déjà à 25. Donc, ça veut dire que je dois augmenter, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 5 niveaux. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je reste au niveau 14 le plus longtemps que possible. Je sens que je vais pas y arriver. Parce que les boss, ils vont certainement donner beaucoup de niveaux. Faudra que j'essaie d'éviter au mieux. Et sachant qu'il y aura donc le frère Troupa là, qui va venir me casser les couilles. Est-ce que honnêtement, je vais y arriver à rester au niveau 14 jusqu'à la fin? Alors ça, on sait pas. Mais moi non plus même. Donc, parlons un peu badge. Alors bon, j'ai pas mis le super saut, peut-être que je vais enlever le multibon pour l'instant et mettre le super saut à la limite, si j'en aurais forcément besoin. Alors après ça, je ne sais pas. Alors, ouais, bouclier épique, j'en aurais pas besoin pour l'instant. Et au retour, bah, j'achèterai encore quelques petits badges sur le marché. Alors, ma combinaison, ça va être boue, parce que vu que le cœur, il utilise un truc de hyper attaque qui va donc être extrêmement dévastatrice. On va rester sur ça. Et sachant que le monstre en question, il a 50 points de cœur, ce qui est énorme. Qui es-tu? Yo! Quoi? Mario? Est-ce que quelqu'un t'a dit que je suis le secret de l'invincibilité de Touba Blouba? Quelqu'un du château a vendu la mèche et t'a dit que Touba Blouba n'était qu'une enveloppe vide et que je le contrôle d'ici. On ne peut faire confiance à personne, décidément. Je ne peux pas te laisser partir maintenant que tu connais le secret de mon invincibilité. On y va. Belle entrée. Hey, toi, fantômette, tu as l'air d'être croustillante. Reste après le combat, je risque d'avoir faim. Bah, dans tes rêves, pouffeur de fantôme. Mario, je suis vraiment en colère. On se l'éclate? Quoi? Oh! Comme une princesse, quoi. Je vais faire cette super attaque impossible à éviter. Il faut juste que je me prépare. Attends un instant. Ah, donc il l'a déjà mis en place. On va augmenter un peu la puissance du marteau. Le problème, c'est que là, j'ai pas le choix que d'utiliser l'intangibilité. Raté. Après, je sais que le boss, enfin le semi-boss en question, ou je peux même l'appeler un boss entre parties, c'est que ce boss-là en question s'arrête au bout, on lui a assisté au moins 35 ou 40 points de cœur en moins. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il en ait au moins 10. Sachant qu'il en a 50.
Au bout du compte, ça va être simple. Il n'arrête pas d'utiliser son... son hyper-attaque. Parce que rien que cette attaque-là, de mémoire, elle me one-shot. Je sais que lui, j'ai... Alors, pour être honnête, dans les épisodes de 2011, j'ai utilisé abusivement des casquettes de pierre. Et les casquettes de pierre, c'est un peu particulier parce qu'il a la fâcheuse habitude de te rendre invincible. Ouf! Ah! Et du coup, quand ça te rend invincible, paradoxalement, ça te... t'es protégé pendant entre 1 à 3, 4 tours. Hein. Et on va le baffer gratuitement. Il n'en reste plus que 40. Alors en objet, j'ai deux sirops d'érable, un repouget, un vol pignon si jamais. Une poupée neige, mais bon, les poupées neige, je préfère m'en servir genre au monde 5. Le monde 5, là où il y a la flamme et tout. On va continuer à garder le boost encore longtemps. Un peu d'intelligibilité. En fait, c'est ça qui. En fait, à chaque fois qu'il met son hyper, faut toujours être invisible. Vraiment pratique. Ah là, je sens qu'il va falloir se soigner là, c'est très important. Est-ce que... ouais. Ou alors, je sais pas, attends. Peut-être... Ah, peut-être, 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 peut-être... pas un super soda. Alors, on va prendre un champifri. Remboursé, bande d'enfoirés. Maintenant, c'est qui va m'en rigoler, hein? On va te baffer! Beach slap! Il n'abandonne rien. Il n'abandonne absolument pas. Quoique, en fait, je me débrouille bien, même si... En fait, moi, ouais, je me débrouille plutôt bien. Bah, encore, j'ai point fleur à 25. Là, je gère bien. Je gère vraiment bien. Non! Ah non, le con! Le con! Ah non, 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 non! Oh non, j'ai fait une connerie! Ah non! Mauvais bouton! Mauvais bouton! Ah, je m'en prends plein la gueule. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Alors... Aïe 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 aïe. Mal choix. Retour. Bon. Là, on reprend à cet endroit exact. Alors, voyons voir, voyons voir. Faut que j'arrête à tout prix que je me sorte de là. On va faire un boost. Des baffes. Normalement, il va réutiliser son boost encore une fois. Normalement. Ouais, c'est bien ça. À ce stade, on va manger un champifri. Remboursé. Bon, non, foiré. Ouais. Remboursé, j'ai pas aimé. On fait pas d'erreur cette fois. C'est dommage que je ne sais pas vraiment à combien j'en suis au niveau de mon pouvoir. Un coup de boost. Il a chargé. Il me reste quoi? Il me reste un afri. Je
pense que j'en aurai assez. Alors, s'il a eu 3 coups de baffe fois 5, ça fait que dans 15, donc 35. Donc un lance-marteau, est-ce que ça sera suffisant? 24! Ah! Il lui reste encore un PV à faire. On y va! Là, normalement, il va être épuisé. Même pas? Ah! Très bien. Très bien. Alors, je sais que c'est idiot, mais bon, d'un côté, je gagne des pièces. On n'est jamais sûr, Mais là, on invoque Zeus. Allez, hop. Ça fait mal. Je m'en vais pour la peine. Maintenant, retrouvons-le à l'extérieur. Il faudrait se soigner vite fait, hein. Mais normalement, Touba Boubla, il devient faible quand il va venir nous attaquer. Alors, je vais quand même me soigner. Poursuivons-le! Et boing, boing. Petit cœur ambulant. Il est temps de s'unir. Oh. Oh oui, c'est bon ça. Avec mon corps et mon cœur réunis, je suis imbattable. Ah oui, tu crois. Bon, ça va, lui, il va pas être compliqué du tout. C'est vraiment le boss le plus facile. Parce que 15 points de cœur quand même. Parce qu'étrangement avec son cœur, on sait pas pourquoi il devient... Ah non, il en a 10. Ah non, il en a 10, d'accord. J'avais oublié. C'est une victoire. Oh, oh non, avec mon cœur et mon corps réunis, je suis plus invincible. Je suis redevenu l'invincible, Touba Boubla. C'est naze. Je me rends. Regardez, voici tous les fantômes que j'ai mangés. Pardon. Ah. Je suis qu'un individu sensiblement enfermé dans un gorge gigantesque. Je ne veux plus être invincible si c'est pour me battre avec des gens comme vous. Ça te fait des pieds, ça te fait des pieds. Et tout le monde est sain et sauf. Ouah. Je vais prévenir les autres de ne plus effrayer trop souvent le pauvre vieux Touba Boubla. Nous aimons l'effrayer de jour et de nuit car il était un vrai lâche. Ah, on le regrettera pas. Après tout, c'est le métier du fantôme que de faire peur, non? En plus, c'était une expérience fort enrichissante. Je n'ai jamais eu une telle poussée d'adrénaline. Et j'ai beaucoup appris avec toi. Je pense qu'il faut que je vive de nouvelles expériences. Alors je crois que je vais t'accompagner. Ça ne te dérange pas, Mario, hein? Ça ne te dérange pas? Bon, on est d'accord. Tu es chanceux de pouvoir voyager avec moi. Oui. Tiens, Mario, voici l'esprit étoile comme promis. Majordome, viens ici. Voilà Mario, il est libre. Et ce fut une victoire écrasante. Même si c'était un peu compliqué au départ. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain boss qui va être le général Maskas. Que je vais pas aimer d'ailleurs. J'aime vraiment pas ce boss parce qu'il est l'un des compliqués. Avec le boss du monde 6 également. Hein. Tellement pas envie de faire le monde 4. Tellement pas envie. Ah.
Mais cela dit, ce binocle étoile, c'est le meilleur.